On aurait aimé assister au tournage de Chamboultou, le nouveau film d'Éric Lavène avec Alexandra Lamy, Michael Youn et José Garcia. Car à en croire les confessions du casting, l'ambiance était à la fête. Invités de C'est à vous, Alexandra Lamy, Michael Youn et José Garcia ont découvert, à l'écran, un message d'Éric Lavène et Anne-Marie Vin, racontant une anecdote intéressante. Alors qu'on demande à cette dernière de décrire Alexandra Lamy sur le tournage, Anne-Marie Vin répond, je dirais alcoolisée. Puis, Éric Lavène avoue qu'un soir, Michael Youn met au défi Alexandra Lamy de boire beaucoup d'alcool, peinant la plier et la coucher. Ça s'est terminé surtout sur ma porte à 4h du matin en train de faire la voiture bélier avec leur tête. Ils ont détruit une partie du troisième étage, raconte Anne-Marie Vin. Éric Lavène ajoute, ils ont volé une voiture. Ce à quoi l'actrice répond, enfin ça je sais pas si on peut le raconter. Sur le plateau, Michael Youn, oublions star des années 2000, s'en amuse. Tout cela est rigoureusement vrai, et précise qu'il a rendu la voiture. Non, on a fait un tour, on était dans le coffre et après on a fini avec un extincteur que tu as vidé dans ma chambre que j'ai dû nettoyer, précise Alexandra Lamy. Une anecdote qui n'est pas sans rappeler celle des Bleus pendant la Coupe du Monde en Russie, qui, fêtant leur victoire face à l'Argentine en 8e de finale. Eux aussi euphoriques, l'alcool en moins, ils font la fête dans leur hôtel jusqu'à la chambre d'Adil Rami, qui était en train de jouer à un jeu vidéo, et n'arrivant pas à les faire sortir, les a aspergés avec l'extincteur, déclenchant au passage l'alarme incendie, évacuant, en pleine nuit, tous les résidents de l'hôtel. Dégagez tous de l'hôtel, c'est toxique. Tout le monde est sorti de l'hôtel, les employés et tout, Didier Deschamps aussi en pyjama. Quand je l'ai vu arriver vers nous, je me suis dit, ah merde, a raconté Adil Rami dans Téléfoot.